Bonjour, c'est Papy Tom. Et mon ami... Ouais, mon ami. Ah bon? Ah oui, t'es mon ami. Joe. Joe. Dis bonjour. Bonjour. Voilà, t'as fait des progrès. Oui. Bien, je suis le guitariste du groupe de rock Dijonais et Cash. Tu veux pas recommencer? Oui. Tu vas recommencer? Oui. Alors tu vas dire quoi? Le guitariste du groupe de rock Dijonais et Cash, c'est pas ça. Ah, c'est quoi? C'est le méchant guitariste du groupe de rock Dijonais. Bon, bah si tu veux. Oui. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une démo. C'est la suite de comment faire un solo facile. Je te dis que c'est possible. Bien, je vais affiner ma démo. Affiner? Oui, affiner. Comme le fromage. Bah si tu veux. Ah bon. Alors, dans cette démo... Dis. Oui. Dis-moi, Papy Tom. Oui. C'est normal que tu portes une perruque pour avoir l'air con? Ben oui, c'est normal. Ah ouais? Ben oui, si je porte la perruque, c'est pour montrer aux gens que je me prends pas au sérieux, mais que je fais des démos sérieusement. Ah oui? Alors toi, tu mets une perruque pour faire des démos pour avoir l'air con? C'est pas tout à fait ça. C'est que je vais faire des démos sérieuses, mais comme je me prends pas au sérieux, je m'habille n'importe comment. Ouais. C'est pas convaincant ton truc. Ben si, c'est convaincant. Non. Si. Non. Bon, j'en étais où? C'est pas moi qui vais te le dire. Donc, j'attaque des techniques de comment faire un solo. T'attaques? Oui, j'attaque. Tu vas faire un bagarre? Mais non, c'est de la sémantique. Sémantique? Oui. C'est quoi? On verra ça un autre jour. Ouais, t'es pas intelligent. Ça va. Alors, dans cette démo, je vais vous parler des hammers. Hammers? Oui, des hammers. Hammers, c'est quoi? Eh ben, hammer, c'est la traduction de marteau. Tu fais ta guitare avec un marteau? Mais non! C'est le mot qui veut dire ça, c'est un truc que tu fais avec tes doigts. Un truc que tu fais avec tes doigts, ça s'appelle un marteau. Oui, ben là, ça s'appelle un marteau. Bon. T'as des slides aussi. Slides? Oui, des slides. C'est quoi? Tu sais que tu pues de la gueule, toi. Oui. Bon. C'est un glissé. Un glissé. Donc. Je récapitule, tu fais de la guitare avec un marteau pour glisser. T'es lourd, hein? Oui. T'as des bends aussi. Bends? C'est quoi? C'est des tirés de cordes. Tirés de cordes? Bah oui. Hey, Papy Tom. Oui. Ceux qui font du rock, ils ont tous l'air con comme toi avec ta perruque. Je t'ai expliqué que je mets une perruque, c'est pour pas me prendre au sérieux, mais c'est tout. Ouais. Bon, qu'est-ce que... Hey. Oui. Et si on regardait la vidéo? D'accord. À tout de suite? Oui, à tout de suite. Eh bien, bonjour, c'est Papy Tom. Alors, aujourd'hui, je vais faire la suite de comment faire un solo facile. Alors je le fais pour deux raisons. Déjà pour affiner la première démo et la deuxième pour démontrer à certaines personnes qu'il n'est pas nécessaire de connaître les notes pour faire du rock. Alors effectivement, je ne connais rien en musique à part une gamme, la gamme de Do, que j'ai appris à l'école quand j'étais tout petit. La gamme de Do. Alors facile pour la retenir, la gamme de Do, nous faisons ça. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Gratte-moi la
puce que j'ai dans l'eau. Si tu me l'avais gratté plus tôt, elle m'aurait pas ravagé le dos. Donc la gamme de do. Là, je la connais. Alors, si je veux jouer dans un accord de la, je prends le même plan que la gamme de do. Donc, c'est le même plan photographique. Donc, je fais comme ça. Alors, dans ma petite tête de bac moins 2, quand je joue ça, pour moi c'est toujours do ré mi fa sol la si do. Alors que j'ai tout faux, c'est pas ça. Faut faire une gamme de la, alors ça fait la, si, do dièse, ré, mi, fa dièse, sol dièse, la. Moi, je veux pas chanter ça, c'est trop dur. Je garde ma gamme sur mon plan photographique. Je vais la transposer en sol. Donc pour moi, dans ma tête, c'est toujours do ré mi fa sol la si do, mais ça correspond pas à la gamme de sol. C'est là où je veux en venir. C'est que plutôt que de se faire chier à dire sol la si do ré, après je sais plus, hein. Vous faites ça. Oui, bon, un exemple très simple, pas plus simple. Parfois, vous chantez un refrain d'une chanson. Hein, ça peut être I wait well, la la I wait. Ou alors elle court, la maladie d'amour. Eh bien, vous chantez bien une chanson sans connaître les notes. Vous fredonnez la mélodie sans connaître les notes. Eh bien, c'est ce que je dis pour la guitare. Vous pouvez jouer une mélodie à la guitare sans connaître les notes. C'est aussi simple que ça. Alors, vous vous repérez sur les manches par photographie, on va dire. Savoir où placer vos doigts sur la manche par photographie. Et votre oreille. Et ça le fait. Et c'est pas là. Bon, alors on continue. Bon, j'ai toujours un peu de souffle sur mon ampli, hein, parce que moi, je suis couplé avec une heavy metal Harley Benton et un vintage overdrive Harley Benton. Donc ça souffle un peu. Bon, vous voyez, je baisse le volume de la guitare, ça souffle plus que s'il a fond. Très bien. Alors, pour se chauffer les doigts, en premier, ce que je fais moi, j'applique ma grille. Ma grille. Alors, il paraît que ma grille correspond à une gamme pentagruélique. Attends, je vais voir. Pentatonique mineure, gamme pentatonique mineure. Bon, je savais pas. Tant mieux si ça correspond à quelque chose, au moins j'ai pas fait ça pour rien. Alors, pour me chauffer les doigts. J'applique ma gamme. Là. Je continue. J'ai oublié une note, mais c'est pas grave. Je continue toujours. Bien vu, mais bon, vous écouterez. Et là, je reviens, j'étais parti sur mon sol de départ et j'ai mon sol d'arrivée. Alors, pour bien mémoriser photographiquement, et bien vous montez ma gamme dans n'importe quel sens.
pour bien la photographier, hein, pour l'avoir en mémoire. Alors là-dessus, technique de solo. Alors pareil, c'est des trucs que je fais, mais je connais pas les noms. Donc je suis allé voir sur Internet comment ça s'appelle. Vous avez le hammer. We are not the hammer. La 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 la. Bref, le hammer. Vous partez de là. Vous attaquez la première note. Et avec le doigt, vous appuyez sur l'autre case. J'attaque que la première note avec le médiateur. Voilà, le hammer. Après, donc le hammer, vous pouvez le placer n'importe où. Hein. Le hammer, vous le placez où vous voulez. Pas confondre avec le hammer. Hein. Alors après, vous avez... Attendez, je prends mes notes. Hein. Le pull off. Moi je croyais que c'était un plat régional, le pull off, comme la poule au pot, tout ça. Mais non, non, c'est le retrait du doigt en pinçant. Le retrait du doigt en pinçant, c'est-à-dire ça. Je pars de là. Alors voilà, vous pouvez commencer le hammer. Je commence par un hammer et je finis sur un pull-off. Vous placez où vous voulez le pull-off. Ensuite, en technique pour les solos, le bend. Alors c'est le tirer, le bend. Tirer. Alors. Vous pouvez monter pour avoir la note suivante, vous voyez, au lieu de faire ça. Je fais. Je mélange les trois, le hammer, la pull-off et le tirer. Vous pouvez faire ça aussi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, je dis c'est un papillon. Alors, le hammer. Toujours sur ma grille de sol, qui correspond, je le rappelle, à une gamme. Putain, merde, c'est quoi le nom? Pentatonique, pentatonique, mineur. Ça, je sais pas ce que c'est, mais grille papitum, je sais. Donc vous avez ça. Après, vous avez le slide, c'est le glisser, le slide, le glisser. Alors vous prenez le doigt qui vous convient le mieux. Hein. Moi, ça dépend. Des fois, je fais ça, comme ça. Quand j'ai ce doigt-là, je peux attaquer avec le doigt de l'oreille. Ce doigt là. Alors. On peut faire ça aussi, hein. Après, en technique, vous avez, qu'est-ce que j'ai noté, j'appelle ça le vibrato, quand vous tenez votre note. C'est très important ça. Alors comment je fais ça? Ben j'en sais rien, hein. Je prends ce doigt là. Ah non, ouais. Il y en a qui vont porter plainte. Et je fais bouger le doigt et la main. De toute façon, c'est à vous d'essayer.
pour savoir ce qui vous convient le mieux. Moi, je vous dis ce qui peut être fait, après, il faut adapter. Hein ? Il y a un bon sustain, hein. Pour moi, ça donne du sustain, ce truc-là. Vous pouvez refaire un tiré derrière. Alors, je fais ça après. Pull off. Avec un glissé. Hammer. Voilà. Vous avez quoi? Alors, moi j'ai une technique, le médiator. Alors déjà, moi, je tiens comme ça. Je ne sais pas si on voit, je tiens comme ça. Bon, voilà, comme ça. Après, c'est à vous de le tenir comme vous le voulez, hein. C'est vous qui jouez, c'est pas moi. Donc, moi, je vous donne ma méthode. Bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Le médiator... Ah oui. Alors, les notes, moi, normalement, quand vous faites une montée de notes, c'est descendre au médiator. Monter, descendre, monter, descendre, monter. C'est-à-dire comme ça. Moi, j'y arrive pas trop. Je suis pas bon là-dedans. Donc moi, c'est principalement descendre. J'attaque tout en descendant, comme ça. Alors voilà. Je me recule un peu, qu'on voit bien les doigts et l'attaque du médiator, voilà, ici. Et ce qui me permet, moi, de... J'attaque aussi avec le médiator, donc toujours avec le pouce. Ah. J'attaque avec le médiator, le bout du médiator que j'étouffe avec le pouce. Attaque du médiator et le pouce vient derrière. Écoutez ça, ça fait. Note normale. Avec l'attaque du pouce. C'est pas la même chose. Attaque normale. Je rajoute le pouce qui étouffe. Bon, ça marche pas à tous les coups, faut s'entraîner. Hein. Et ce que je fais également aussi, comme les petits pois, à l'étouffer, là, karaté, karaté que je mets là. Là. Je vais pousser mon ordinateur, c'est un fou de bordel. Voilà, là. C'est-à-dire que je fais. J'étouffe. Moi j'aime bien ce son là, moi. Alors, avec toutes les méthodes, je regarde s'il y a d'autres méthodes. Hein. L'attaque du médiateur, c'est vu. Ah oui, le double stop. Alors, c'est des guitaristes qui sont bons, hein, qui sont pas comme moi, qui sont bons. Ils arrivent à jouer avec le médiateur une note. Avec les autres doigts, comme le guitariste de ZZ Top, il remonte les autres notes. Alors moi, je sais pas du tout faire ça, et j'ai pas envie d'apprendre. Voilà. Alors, sur la grange, il commence comme ça, en double stop. Et moi qui veux toujours jouer la grange, eh ben, j'ai trouvé un plan, je sais pas comme lui, mais ça sonne à peu près comme lui, c'est-à-dire que je suis quand même dans l'esprit. Donc, je joue ces deux notes. Avec mon attaque de médiator, en aucun cas je me sers de mes petits doigts. Les petits doigts comme ça, je les garde pour mon épouse. C'est nul, je sais. Alors, le tapping. D'où l'expression faire le tapping. Faire le tapping. Alors ça, c'est une méthode que je ne connais pas du tout, que je ne maîtrise pas, que je ne sais pas la faire. Par contre,
dans mon magasin de musique préféré, Fallon Music, 117 rue d'Auxonne, à Dijon. T'as vu, Francky? Je t'ai eu, là. Il y a deux vendeurs, Christian et Rico. Rico, 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 qui font du tapping. Waouh, c'est l'enfer. Alors, c'est deux guitaristes, deux. Qui jouent très très bien, hein, quand ils se mettent sur la guitare. Oh là 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 là, c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant. Hein. Mais ça ne nous empêche pas, nous, blaireaux, de faire du rock quand même. Alors le tapping, c'est Van Halen. Van Halen, c'est le tapping. Alors les mecs, avec ce doigt-là, ou ce doigt-là, je sais pas lequel, ils tapent sur le... Et après ils rajoutent des notes. Donc moi, je suis nul là-dessus. Alors des fois, pour faire croire que je fais du tapping, je prends mon médiator. Médiator, là, avec le bout, je fais ça, moi. Comme ça. En aucun cas, je peux faire un solo en tapping. Je ne suis pas assez bon. Alors c'est un choix, hein, moi, qu'est-ce que je pourrais dire, ich bin vieux et malade, je suis malade, je peux pas tout faire, hein, juste me faire plaisir à la guitare. Voilà, le tapping. Comment vous dire et me décrire tous mes sentiments d'enfant si différent, toutes ces larmes retenues et ces joies ambiguës qu'on appelle bonheur ou jour meilleur. Comment vous dire et me décrire, du haut de mes 3 ans, je sens défiler le temps, j'accepte la douleur devant mon ordinateur, d'amour entouré, espoir il faut garder.